Voilà, bonne conférence à vous et à très bientôt pour la conclusion. Merci. Je t'en prie, c'est pour toi. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. C'est pour moi un grand honneur et c'est aussi une grande première d'être ici à bord au rendez-vous historique. Je vais vous présenter d'une manière plus générale les relations du Vatican avec les États-Unis et l'URSS dans le contexte plus général de la guerre froide qui se déroule donc entre 1945 et 1991. Alors là, d'une manière plus restreinte, la proposition pédagogique que je vais vous faire devant vous concerne la politique extérieure vaticane italienne sur la période 1945-1963, qui est une période charnière à la fois dans les relations internationales et dans la construction européenne en elle-même. Alors effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, se met en place des rapports de force entre les deux superpuissances que sont les États-Unis d'Amérique d'une part et l'Union des Républiques Socialistes d'autre part, l'URSS, et s'engage entre ces deux grands une lutte d'influence qui s'exerce dans tous les domaines, allant de la géopolitique en passant par le culturel. Et on voit se cristalliser progressivement une bipolarisation du monde par la construction donc, de ces deux groupes de pays. Alors, les États-Unis et l'URSS ont joué un rôle très important dans le destin de l'Europe et de sa construction. C'est ce que nous allons voir. Et effectivement, traumatisée par les deux guerres mondiales, l'Europe est surtout préoccupée par son désir de se reconstruire, de panser ses plaies et de barrer l'urgence. Alors, la situation est telle qu'en 1947, les États-Unis décident une aide sous la forme du plan Marshall afin de pallier les difficultés des pays européens. Cette aide s'adresse à l'ensemble des pays européens, y compris d'ailleurs les pays du bloc soviétique. Simplement, c'est Staline qui a donné l'ordre aux autres pays de l'Europe de l'Est de refuser cette aide du plan Marshall, considérant que c'était une manœuvre de plus géopolitique de la part de la CIA et de la Maison Blanche. Donc c'est donc dans ce contexte d'après-guerre assez rude et dans une Europe en ruine que s'amorce peu à peu, à l'initiative des États-Unis d'ailleurs, la construction européenne lors d'une conférence qui se déroule en 1946 à Cologne entre d'une part Robert Schuman, Konrad Adenauer et Alcide De Gasperi, l'Italie. Pour qualifier d'ailleurs les rapprochements politico-diplomatiques de sensibilité démocrate chrétienne, l'historien Philippe Chenot, dans son ouvrage Une Europe vaticane entre le plan Marshall et les traités de Rome, qui est paru aux éditions donc Histoire de notre temps en 1990, parle d'ailleurs d'une Europe vaticane et pose donc par là la question donc, de l'influence du Vatican sur cette construction européenne. Alors, de la même manière, un autre historien anglo-saxon, celui-ci, Ennio Dinolfo, et l'italien Ennio Dinolfo, dans son ouvrage Vaticano e Stati Uniti 1939-1952, c'est un ouvrage qui est paru en 1978, met d'abord en avant l'impartialité du Vatican, une sorte de position attentiste, dans un premier temps, entre les deux blocs en formation. Alors si Pie XII, qui est le pape de cette époque-là, fait savoir son intérêt pour la doctrine du containment, qui a été dévoilée par le président Harry Truman le 12 mars 1947 dans un discours du Congrès, il ne veut pas se laisser non plus enfermer dans une logique de psychose anticommuniste qui consisterait à dire que la seule construction d'une Europe unie pourrait protéger les pays occidentaux et la civilisation chrétienne de l'URSS. Alors, de ce fait, le Vatican réagit finalement assez froidement lorsque le Parti démocrate chrétien qui dirige l'Italie engage le pays dans le pacte atlantique. Pie XII perçoit bien cependant que ce n'est pas sans arrière-pensée. Et le fait est que les États-Unis pensent l'Italie comme une position stratégique, géostratégique, qu'il faut garder du communisme à tout prix. Alors pour cela, Washington ne ménage pas ses efforts
Et l'historien Timothy Smith évoque même d'ailleurs à demi-mot dans son ouvrage « The United States, Italy and NATO » 1947-1952, qui est paru en 1991, une volonté de domination américaine sur la botte italienne. Donc, comme nous pouvons le voir, les partis démocrates chrétiens sont présents en Europe, en Italie c'est vrai, mais également la démocratie chrétienne est présente en RFA, en Allemagne et en France aussi. Et appuyé par Pie XII, puis ensuite par Jean XXIII, qui est le pape qui lui succède, passe progressivement de l'anticommunisme pur et dur à un européisme particulièrement actif, devenant par là à la fois donc, un vecteur de la diplomatie vaticane et donc du coup de la volonté d'affirmation américaine en Europe de l'Ouest. Le Vatican n'hésite pas aussi à utiliser les médias, toutes formes de médias, d'abord la radio qui était beaucoup utilisée, mais plus tard la télévision, assez rapidement même, pour servir de relais à la diffusion donc, des idées du Vatican et dans la construction européenne et pour appuyer des décisions politiques et géopolitiques concernant la guerre froide. La période comprise entre 1945 et 1963 pose les bases d'une Europe unie dans le contexte de montée des tensions entre l'Est et l'Ouest, ce qui fait de l'Europe un espace stratégique majeur pour les deux grands, les États-Unis et l'URSS. Alors, Pie XII, dans un premier temps, je l'ai indiqué, souhaite calmer le jeu afin de tenter de garantir les libertés religieuses, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que dans la constitution du bloc socialiste, en Europe de l'Est, faire montrer sa foi peut comporter un certain danger. Et il y voit là une nécessité absolue de préserver la possibilité pour les chrétiens de continuer à pratiquer leur foi dans un contexte qui n'est pas favorable. Donc c'est pour cette raison-là que Pie XII souhaite d'abord calmer le jeu dans cette première partie. Alors cette théorie, elle est avancée par l'historien Philippe Chenot, que je vous ai déjà cité dans son ouvrage « Une Europe vaticane ». Mais pour être vérifiée dans sa totalité, elle doit être mise en parallèle avec les évolutions politiques intérieures en Italie. Or, la réalité est quand même beaucoup plus complexe, car la méfiance envers les communistes est particulièrement palpable, en particulier à l'approche des élections municipales de 1952 et des élections législatives l'année suivante en 1953. Pie XII ne se contente à partir de 1953 plus d'encourager simplement la construction européenne, mais il s'engage à partir de cette période-là, beaucoup plus avant, dans un européisme extrêmement actif et dans la promotion d'une Europe unie. L'élément déclencheur, si vous voulez, de cette prise de décision politique et géopolitique, c'est le rejet de la CED par la France, donc la Communauté Européenne de Défense. Alors c'est la particularité, c'est la France qui a été à l'initiative de ce projet-là, mais entre-temps, les rapports de force politique internes à la France ayant changé, la France rejette ce traité de la CED. Et donc, ce hiatus, cet échec finalement de la construction de la défense d'une Europe unie, est véritablement l'élément déclencheur de cette activité pontificale en faveur de la construction donc, d'une Europe unie. Alors, pour faire passer ces idées, le Vatican met en place un véritable réseau de relais qui passe par plusieurs niveaux, et particulièrement par les médias. Il fait appel également au clergé afin qu'il relaie ses prises de position concernant l'Europe et aussi la défense contre le communisme, évidemment. Enfin, pour agir au plus haut degré, afin de favoriser la construction européenne, le Vatican utilise comme vecteur
des idées chrétiennes de l'Europe, les partis démocrates chrétiens eux-mêmes, qui œuvrent sur la dimension politique et qui jouent un rôle extrêmement important dans l'acceptation des traités de Rome qui sont signés en 1957. 1958 est une année extrêmement importante, un tournant majeur en fait dans la politique vaticane là encore, car au lendemain des traités de Rome, Jean XXIII, qui vient tout juste d'être élu sur le trône de Saint-Pierre, annonce la réunion du Concile Vatican II, qui est un tournant majeur dans l'histoire ecclésiastique. Le Concile est d'ailleurs révélateur d'une mise au point qui devient nécessaire dans l'Église catholique romaine, car elle se trouve en décalage complet avec les évolutions de la société, et doit faire face non seulement à une crise des vocations, une crise religieuse extrêmement profonde dans l'après-guerre, et doit faire face aussi à une opposition à l'intérieur même de l'Église avec ce mouvement des prêtres blousons noirs, des prêtres qui sont envoyés aussi dans les pays d'Amérique latine pour porter une certaine idée de la démocratie vaticane. Donc ce concile, non seulement c'est une mise au point, mais c'est finalement une œuvre inachevée, dans la mesure où c'est Jean XXIII qui pose les bases de ce concile, mais il ne voit jamais achever l'œuvre qu'il a initiée, il en jette juste les bases essentielles. Ce qui est étonnant lors du début du concile, c'est que il n'y a pas de condamnation ferme du communisme. Ça a fait l'effet, si vous voulez, d'une bombe intégrale, parce que tout le monde s'attendait à ce que l'Église catholique romaine condamne fermement le communisme. Or, il n'en est rien dans les rapports du Concile Vatican II. C'est d'ailleurs ça va finalement avec le contexte de relative accalmie au sein des relations internationales. Ça correspond à une accalmie des tensions entre l'Est et l'Ouest, mais cette non-condamnation, finalement, est une véritable surprise. Ça fait bouger les lignes de force en termes de politique internationale et montre effectivement la voie qu'un apaisement devient possible. Jean XXIII avait une idée particulièrement précise de l'Europe qui se construisait, et pour lui, la construction européenne, à l'inverse de son prédécesseur, ne devait pas se constituer contre le communisme, ne devait pas constituer un glacis protecteur contre le communisme, mais au contraire, devait avoir une conception plutôt ouverte. Et cette idée rejoignait finalement celle de l'universalisme chrétien, qui comptait d'ailleurs beaucoup à ses yeux, on le voit au travers des écrits du Concile Vatican II. Donc, jusqu'ici, nous avons contextualisé un petit peu cette adaptation pédagogique sur la politique italienne du Vatican. Je vais passer à présent à l'adaptation sur les programmes scolaires. Alors, l'adaptation pédagogique que j'ai choisie se situe sur l'année de terminale. Dans le programme de l'année de terminale générale, il y a donc un thème 2 intitulé « Les grandes puissances et conflits dans le monde depuis 1945 » avec « Les chemins de la puissance » avec deux colonnes vertébrales, les États-Unis et le monde depuis 1945 et la Chine et le monde depuis la Révolution, donc 1949. Donc l'idée de cette adaptation pédagogique, ce serait de faire entrer cette thématique justement de la diplomatie vaticane au sein de la construction européenne et du contexte de la guerre froide au travers de l'application de la doctrine de containment, plus spécifiquement dans le cas de l'Europe. Alors, dans ce chapitre, on pourrait, dans cette thématique, on pourrait imaginer un plan chronothématique qui s'organiserait de la façon suivante, donc en deux grandes parties. La première, donc la paix des vainqueurs et la naissance de la guerre froide, avec des sous-parties. La première, ce serait deux conférences pour une nouvelle géopolitique.
le difficile rôle de superpuissance mondiale en ce qui concerne les États-Unis, une troisième sous-partie, donc la culture américaine sous la guerre froide, une mondialisation culturelle et une voie de puissance souterraine, entre guillemets, et le grand 2, donc, serait consacré aux États-Unis et le monde, mais dans l'après-guerre froide, avec là aussi trois sous-parties, donc en première sous-partie, les gendarmes du monde, puisque c'est comme ça que les États-Unis étaient surnommés. La deuxième sous-partie, les États-Unis et le monde, depuis le 11 septembre 2001 jusqu'en 2008, et les nouveaux États-Unis, donc à partir de 2008. L'activité que je propose, donc, c'est donc l'application de la doctrine de containment, le cas de l'Europe. Vous avez de la documentation ici, que je vais faire passer, du coup, si ça vous intéresse. Ne vous inquiétez pas, si on est intéressé, ça va assez rigoler. Et je vous fais passer également les questions qui vont avec cette mise en place pédagogique. Je précise que vous devez apporter, avant la fin des rendez-vous de l'histoire, vos copies au stand de Clionote, et elles vous seront envoyées, corrigées, on est bien d'accord. On a pris, d'ailleurs les tickets étaient nominatifs, donc on pourra éventuellement vous rappeler vos retards. Hein. Que les choses soient claires. Voilà. Est-ce que vous en parlez ? Donc, de suite, ça motive, là, quand même. Oui. Hein, c'est, tu vois, un petit peu d'autorité. Tout le monde est servi. C'est bon, vous avez tout sur les documents. Regarde, tu vois, tout le monde est servi. Ok. Ça le cas européen. Alors, cette activité, elle serait à intégrer dans la première sous-partie du plan lorsque l'application de la doctrine de containment est abordée. Donc en appuyant évidemment sur le fait que cette dernière est appliquée à la fois par ordre de priorité et aussi par grandes aires géographiques. On peut faire étudier à la classe des aspects stratégiques de la construction européenne et questionner l'implication des États-Unis, de la démocratie chrétienne, ainsi que du Vatican dans ce processus. Cela permet également d'aborder la question du soft power et de son application dans la guerre froide. Ainsi, donc, cela nous permet aussi, quelque part, de nuancer la puissance américaine en Europe en faisant valoir l'implication des pays européens et du Vatican dans le processus de construction, et de voir en quelle mesure l'œuvre se construit en accord ou en opposition de la stratégie américaine. Alors, cette activité, je précise, là j'ai mis l'intégralité des documents, mais évidemment, dans la mise en place pédagogique, il y a la possibilité de faire des coupures, puisque vous voyez que notamment le document 4, qui est assez long, et également le radiomessage, le document 5, à l'occasion de Noël 1954, aussi, fait quand même pratiquement 3 pages, donc c'est, y a possibilité de faire des coupures aussi dans ces différents documents. Donc, le corpus documentaire, comme les questions d'activité, sont non pas photocopiés, mais mis d'abord au préalable sur l'espace numérique de travail, hein, l'ENT, donc dans une sorte de fichier commun, si vous voulez, que les élèves peuvent reprendre quelle que soit la salle où nous travaillons. Puisque cette activité doit être faite en salle informatique, donc ils vont récupérer les fichiers, à la fois le corpus documentaire et les questions qui vont avec. C'est une activité de groupe, donc des groupes de 3 ou 4 personnes, c'est l'idéal. Pas moins parce que sinon l'activité est trop chronophage, et pas plus parce que sinon c'est extrêmement bruyant et ça pose des soucis d'organisation aussi entre les élèves. Donc ce corpus documentaire, 6 documents,
le discours de Paul Hornisbach, intitulé « Le discours de la peur », qu'il a prononcé à l'ONU, donc à Paris, le 28 septembre 1948, au Palais Chaillot. Je vous ai mis la référence de YouTube où vous pouvez retrouver la capture vidéo de ce discours. Le document 2, le discours de Pidouze à la télévision, le 17 avril 1949, je vous ai mis également la référence. Et c'est également une grande première, puisque c'est la première fois où le pape apparaît visuellement à la télé. Donc ça, c'est un grand moment qui est suivi par de nombreuses personnes, le 17 avril 1949. Le troisième document, comme le quatrième, sont deux discours. Donc le premier, le discours du pape au président de la République italienne Einaudi, le 15 décembre 1948. Le document 4, qui date du mercredi 10 mars 1948, qui est également un discours du pape Pie XII, au curé de la paroisse de Rome et au prédicateur du temps sacré du Carême. Donc tout ça pour bien appuyer là sur les réseaux de diffusion de la voix vaticane en Europe occidentale. Le cinquième document, c'est le radiomessage de sa sainteté, donc Pie XII, dans le monde à l'occasion de Noël, le 24 décembre 1954, c'est le document qui est le plus long. Et le document 6, donc c'est le résultat des élections législatives italiennes, en l'occurrence, de 1953, que j'ai évoqué tout à l'heure, et pour, dont j'ai mis les références pour leur faire étudier un petit peu l'application concrète, finalement, dans le domaine politique, de toutes les actions qui ont pu être menées par le Vatican à ce moment-là. L'objectif de cette séquence a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de mettre en avant la capacité des élèves à travailler efficacement en groupe et en temps limité. La deuxième chose qui est importante pour eux de mettre en place au travers de cette séquence, c'est d'identifier les documents, donc la nature du document, l'auteur, la date, les conditions de production, savoir situer aussi l'événement historique à la fois dans le temps court et dans une temporalité un petit peu plus large, et de mettre en place aussi une critique des documents, puisque nous sommes aussi... notre métier nous conduit à ce qu'ils aient la formation d'un esprit critique par rapport aux documents. Il s'agit également aussi pour eux de synthétiser et d'organiser les informations et de savoir argumenter, justifier leurs propos. Cette séquence, selon la configuration des classes, on peut la mettre en place sur 4-5 séances. Après, ça dépend comment les groupes avancent. La séance numéro 1, c'est une mise en intrigue, finalement, une sorte d'introduction par le visionnage du discours d'Harry Truman au Congrès américain, donc qui présente la doctrine du containment. Je vous la référence, elle est sur YouTube, et c'est un document, enfin, c'est un petit document qui dure 2 minutes 53. Donc c'est vraiment une mise en introduction de cette activité, ce qui nous sert finalement à préciser donc, la définition du terme de doctrine et la présentation de ce qu'est le containment pour Harry Truman. La deuxième séance, donc, c'est mise en condition donc, de l'étude de cas. L'étude de cas, je l'ai dit, elle se déroule en salle informatique et la classe se divise donc entre des groupes de 3-4 personnes. Le corpus documentaire et les consignes sont à récupérer sur le commun. Si vous jetez un petit coup d'œil sur les consignes, qui est le deuxième document, donc vous voyez que les questions sont par ordre de difficulté. Là, évidemment, ce sont des photocopies en noir et blanc, donc on ne voit pas qu'il y a des couleurs. La couleur, l'étoile bleue, par exemple, c'est pour la difficulté numéro 1. La première difficulté, il n'y a pas de difficulté majeure, la réponse est individuelle. La difficulté numéro 2 demande la collaboration de deux élèves. Donc ça, c'est l'étoile verte et une étoile rouge. Là, pour le coup, c'est l'ensemble du groupe qui est mobilisé pour la dernière phase
de cette activité, de cette mise en place pédagogique. Le but étant de remplir évidemment toutes les étapes, si une difficulté apparaît, le groupe, chaque groupe a le droit à deux jokers. Nos jokers, soit ils demandent aux autres groupes, soit ils demandent aux professeurs qui donnent la réponse à la question posée. Sauf pour la tâche complexe qui est la dernière, à 3 étoiles, qui nécessite une production écrite par groupe, l'ensemble du dossier est rempli par chaque élève. Donc ça a la faculté aussi de mettre en place à la fois un travail de groupe, mais une réflexion individuelle. Donc la séance 2, la suite de la séance 2 est consacrée aux tâches dites simples qui peuvent être effectuées par les élèves individuellement, donc les questions de difficulté 1 et certaines, si elles ont le temps, de la difficulté 2. Les séances 3 et éventuellement 4 sont consacrées à l'élaboration de la tâche complexe. Alors, la tâche complexe, il y a 3 sujets au choix, hein, vous le voyez. Donc, soit vous êtes un collectif chrétien chargé de défendre les idées du pape Pie XII sur l'Europe, et en période électorale, il s'agit de défendre la politique du Parti de la démocratie chrétienne italienne. Donc il faut produire un discours qui argumente là aussi. Le deuxième sujet possible, c'est être un responsable politique américain du Parti républicain américain. Vous produirez un rapport cette fois-ci pour le président donc, sur l'application de la doctrine de containment en Italie. Et là, il s'agit d'expliquer donc, que l'application produit certains résultats, mais qu'il faut rester prudent sur l'avancée du communisme, qui menace toujours. Enfin, un troisième sujet possible, responsable du Parti communiste italien, cette fois-ci, donc on prend de l'autre côté, vous devez fournir un rapport à Moscou pour expliquer les agissements du pape dont vous êtes témoin, et vous êtes persuadé que la construction européenne qui s'élabore peu à peu est une manœuvre de plus des Américains et de leurs services secrets. Donc vous proposerez, au travers de cette tâche, une stratégie politique interne à l'Italie pour empêcher la démocratie chrétienne de gouverner seule. Donc, là, ces tâches complexes permettent finalement de mettre en œuvre un travail de groupe, une réflexion de groupe, et ça a pour faculté de développer leur capacité d'argumentation, de sélection des idées et de présentation. Alors la dernière séance, peut prendre plusieurs formes. L'élaboration d'une trace écrite récapitulative, sous la forme de schémas synthétiques. Alors, 2 possibilités, ça dépend du temps qu'on souhaite consacrer à l'étude de cas. La première possibilité, c'est que le professeur, je vais quitter ça temporairement, le professeur, au moment de récapituler, fait au fur et à mesure le schéma récapitulatif que les élèves reproduisent. Soit le schéma est déjà sur la présentation PowerPoint, et le professeur reprend des points en faisant intervenir les élèves afin de vérifier la compréhension des points abordés. Alors, je vais avoir un peu pour montrer à quoi ça pourrait ressembler. Voilà. Donc ça pourrait être une idée de schéma de synthèse de la géopolitique finalement avec le Vatican en point central. C'est une proposition, ça reste à améliorer naturellement, mais on a tous les éléments. Alors, quelques nuances quand même, puisque là j'allais jusqu'en 1963, on peut commencer à parler de Marie Pasquale ou de Paolo Marcinkus, qui sont 2 personnalités qui gravitent autour du pape Paul VI, cette fois-ci, mais le cœur finalement du sujet concerne Pie XII puis Jean XXIII naturellement, l'organisme de l'IOR qui a été créé par Pie XII, la banque Ambrosiano et celle avec la mafia, la curie romaine où vous avez finalement un contrôle dual de l'un sur l'autre, et les liaisons que la papauté a avec la fameuse loge P2, une loge franc-maçonnique
qu'on appelle également la trame atlantique ou la loge vaticane. Hein, elle porte plusieurs noms, cette loge franc-maçonnique. Et donc les liens des envoyés américains au Vatican, de l'Opus Dei également. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas tout à fait une église dans l'église. Hein, c'est encore un petit peu différent le procédé, mais il faudrait que je fasse une autre conférence là-dessus. Et les liens donc, que le pape entretient directement avec les personnalités politiques de la démocratie chrétienne, Konrad Adenauer avec ses successeurs, Alcide de Gasperi ses successeurs, Charles de Gaulle, la construction européenne et en lien avec l'OTAN et les États-Unis qui pilotent à distance contre les États-Unis. Donc en gros, ça pourrait vous sembler à peu près à ça. Je vais prendre juste quelques secondes pour vous mettre la légende quand même du schéma qu'on pourrait faire. Voilà, donc on a en rouge les organismes centraux, les acteurs officiels internationaux qui sont représentés en bleu, donc par les Américains, l'OTAN et par la construction européenne, la CE, les acteurs financiers et les acteurs ayant un grand rôle à partir de Paul VI, ça je l'ai précisé. Ce sont des acteurs qui sont plus ou moins officieux, celui-ci, puisque la personnalité de Marcinkus, c'était une personnalité un petit peu ombrageuse qui avait la particularité de porter une arme sous sa soutane. Il faut se méfier quand même un petit peu. Le jeu relationnel également qui est représenté, donc avec les relations à la fois officielles et les relations officieuses, soit unilatérales, soit bilatérales, selon les deux. En fait, cette trace récapitulative pourrait finalement servir de trace écrite sur le cours, donc en plus de la tâche complexe qui aura été réalisée par les élèves au cours de cette activité. C'est bon, je peux passer. Je vais donner le nom de celui qui portait une arme sous sa soutane. Marcinkus. Marcinkus, je vais vous remettre le schéma. Très beau gosse. Merci. Paolo Marcinkus. Très beau gosse. Oui. Marcinkus, M-A-R-C-I-N-K-U-S. Ça a été un petit peu énigmatique. Donc voilà, pour cette partie pédagogique, je vais passer maintenant à présent à la datation de la thématique aux questions de concours de recrutement des professeurs, qui est la dernière partie de cette intervention. Alors, Bruno vous l'a dit en début d'intervention, donc depuis l'année 2018-2019, la question de l'histoire contemporaine au concours de recrutement des enseignants du second degré, c'est culture, médias, pouvoir, les trois termes étant au pluriel, aux États-Unis et en Europe occidentale entre 1945 et 1991. Donc là, on va être amené à élargir un petit peu le concept de ce qu'on a développé jusqu'à présent. Alors, la question de la politique extérieure vaticane italienne, dans les contextes de la guerre froide et de la construction européenne, s'intègre parfaitement dans cette optique des concours. En effet, les termes de culture, médias et pouvoir sont au pluriel, je l'ai indiqué, et ça indique qu'il faut également avoir des notions de culture religieuse et connaître leur positionnement dans ce contexte international. Alors, on peut effectivement penser que les églises participent au débat des valeurs des pays occidentaux et sont donc acteurs de la culture et des dynamiques politiques. Les candidats doivent pouvoir effectivement rendre compte de l'importance de la religion dans l'affirmation de la culture de masse et de l'influence que les églises exercent sur le monde et la vie politique. La question du pouvoir pontifical est effectivement importante, hein, parce que d'une part, et le pape a une double casquette, hein, il est chef d'État et il est chef spirituel. Donc il a le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Donc il exerce une double influence et le Saint-Siège évidemment n'hésite pas à se servir des médias comme vecteur des positionnements idéologiques et politiques. Alors d'autre part, certaines figures d'intellectuels catholiques, démocrates chrétiens, on peut penser à Jacques Maritain entre autres,
mérite qu'on s'arrête également sur cette dimension de la culture occidentale. En effet, puisque son héritage donc, est au fondement du projet démocrate chrétien, en ce qu'il distingue d'ailleurs le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, donc dans son ouvrage qui est sorti en 1932, distinguer pour unir ou les degrés du savoir. En effet, en Europe occidentale, les catholiques définissent de nouvelles formes d'implication dans la vie politique par la création des partis démocrates chrétiens. Dans le contexte de la guerre froide et de la crise religieuse, l'idée directrice de l'Église catholique est en effet de restaurer la société chrétienne en modelant la culture de masse. Leurs efforts pour encadrer d'ailleurs le développement de la culture de masse s'inscrivent en effet dans une certaine forme de continuité finalement de leur action dans l'entre-deux-guerres. On pourrait alors imaginer comme sujet la question religieuse aux États-Unis et en Europe occidentale entre 1945 et 1991 pour une épreuve du CAPES CAFEP par exemple. Ce sujet permet d'interroger la question de la religion, des religions, des croyances et pratiques religieuses, ainsi que leurs diverses traductions dans le domaine culturel, dans le contexte plus général de la guerre froide. L'étude des différents espaces géographiques concernés permet de dégager les points de convergence et de divergence entre eux, effectivement, et les relations de jeu d'influence mutuelle entre les acteurs doivent ainsi être étudiées dans leur complexité. Enfin, l'analyse des dynamiques et évolutions positives et négatives, réelles ou ressenties, nécessite la maîtrise des points de rupture et éléments de continuité dans ce sujet. Ainsi, donc, dans le cadre d'un tel sujet de CAPES, un développement sur la politique extérieure vaticane italienne entre 1945 et 1963, il trouverait tout à fait sa place dans une partie, par exemple, consacrée à l'importance de la culture religieuse chrétienne en Europe occidentale, et dans une sous-partie qui vise à développer le cas de la péninsule italienne. On pourrait tout à fait imaginer ça. On peut également aborder la question religieuse en Europe occidentale, pas tout à fait sous le même angle, mais sous l'angle de l'influence politique vaticane, des stratégies géopolitiques donc engagées cette fois-ci par le Saint-Siège, donc on change d'axe de réflexion finalement, et auquel cas la culture, d'une manière générale la culture religieuse, serait étudiée plus comme un vecteur de stratégie vaticane dans le contexte de la guerre froide. Alors cela permet enfin de mettre l'accent sur les actions en faveur de la construction européenne, sur un axe de réflexion tel que je l'ai développé avec vous aujourd'hui. Pour faire cette présentation, donc, je vais juste vous donner quelques éléments de bibliographie dont je vous ai déjà parlé. Donc, l'ouvrage de Philippe Cheneau, Une Europe Vaticane entre le plan Marshall et les traités de Rome, ça tient en 1990. Ennio Dinolfo, Vaticano et Stati Uniti, en 1978. Smith Timothy, The United States, Italy and NATO, en 91. Un article de Jean-Marie Mayer qui est sorti donc, en 1972 dans la revue Les Annales, Catholisme intransigeant, catholicisme social, démocratie chrétienne. Enfin, une production de Michel Lagré, La bénédiction de Prométhée, religion et technologie en 1999. Alors à cela, évidemment, il y a beaucoup d'autres références bibliographiques qui pourraient être évoquées ici. On peut penser aux travaux de Carmelza, d'Andrea Riccardi également, qui ont travaillé beaucoup sur cette question du Vatican dans la guerre froide. Les ouvrages de Pierre Gerbet, par exemple, sur la construction européenne, ou l'ouvrage majeur de Georges-Henri Soutou, La guerre de 50 ans, qui pourrait être évoqué.